Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Prison Architect, chers amis. Donc j'ai lancé la démolition de ce bâtiment, en tout cas pour cette campagne. Hop, on va la voir se faire rapidement normalement, je pense que nos ouvriers vont s'y mettre très vite, ils aiment bien démolir les choses. Donc, on peut voir ici qu'en fait c'est vraiment un brouillard de guerre en fait qui se fait avec la vision de nos gardiens. Donc ça se passe assez bien. Pendant ce temps-là, on a des ouvriers qui continuent à faire les réparations à l'autre à gauche. On a des gens qui... What? Non, je ne peux pas le jeter. Pardon, excuse-moi. Qu'est-ce que tu fous, toi? Sanctionné. Confinement. 12 heures. Confinement. 12 heures. Confinement. 12 heures. Alors les filles, vous croyez que ça va le faire vraiment, cette histoire? Non mais oh. What the fuck? Allez, tout de suite, on se calme. Alors, ok, on est bon de ce côté-là. Je vais renvoyer ces deux-là, ces deux groupes-là. Je vais garder un groupe et deux chaque. Voilà. Construire l'infirmerie et soigner les blessés. Donc, là, ça c'est bon, l'infirmerie. J'ai pas balancé le mur, on va faire le mur de l'infirmerie. Apparemment, il est pas... Ah bah si, il est en cours. Parfait, on va faites-le. J'attends, moi, merde. Hop, on va aller sécuriser un petit peu ce qui se passe là-dedans, vu que ça va être le bordel. Et au cas où, on va faire ça. Ok, j'aimerais peut-être avoir plus d'ouvriers. Je gagne encore 5000 par jour, je vais prendre un peu plus d'ouvriers. Voilà, s'il devrait augmenter la vitesse d'action des gens. En règle générale, là il se passe de la merde là, donc vous, bah vous allez aller là-dedans, on va rigoler un petit coup. Tirez pas à vue, mais faites peur quand même. Ok, bon. Comme vous l'entendez, je suis toujours malade, j'ai toujours... je suis toujours à moitié mourant. Faut être honnête au bout d'un moment. Alors, c'est en train de déconstruire, c'est parfait. Hop. Il y a toujours des cuisiniers dans vos employés ou pas au fait? Donc t'es en train de me dire qu'il n'y a personne niveau bouffe. Rappeur. Personnel. Donc voilà, on n'a rien du tout. Prisonnier, d'accord. Admission, tâche, régime. Ok. Subvention, bien, alors bien-être. C'était où le bien-être déjà des personnels, des prisonniers? Besoin. Psychologue nécessaire pour préparer ce rapport. Ah, on n'a plus de psychologue. Merde. Alors. Je me rappelle qu'on avait des bureaux à un endroit. Là. Bureau de chef, bureau de contremaître. Alors on va te réparer aussi ton mur toi, parce que pauvre homme. Il est pas super bien loti. Ok. Ouais mais y a pas de... Si les portes sont réparées, c'est cool. Ok. Il va donc me falloir des psys. Ça c'est quoi ça déjà normalement? Ça j'en sais rien. Salle d'attente, ok. Bon, alors ça doit être des miradors tout ça, mais c'est pas grave. Au niveau des psys, déjà clairement il me faut des cuistots, hein, perso. Hein. Ça c'est une nécessité. Ça c'est un gardien, non c'est un cuisinier. 5. Voilà, j'en mets un paquet, c'est pas grave. Hop, on verra comment ça se passait ensuite. Mais clairement, là, il faut qu'ils se nourrissent. Hein. Ah, il y a des problèmes. Apparemment, il y a des problèmes. Ok. Niveau infirmerie. Je me rappelle plus où est-ce qu'elle était censée... Ah oui, elle est censée être là. Ok, cool. Pièce. Donc, infirmerie. Infirmerie. Normalement, ça devrait être en vert, hein, c'est ça? Oula, il s'est passé quoi au niveau de la lumière? Voilà. Crac. On va avoir besoin d'électricité aussi. Donc service, électricité. Faites-moi traverser tout ça. Crac. Ok. Pour l'infirmerie, il me faut quoi comme pièce? Intérieur, il faut des lits médicalisés. D'accord, ok, c'est parti. Hop, objet. Lit. Étagère à libre. Lit médicalisé. Là, ici.
Ok, voilà. Ça devrait être suffisant. Hop. Ok, donc là, de ce côté-là, on a donc une infirmerie qui a été construite. La morgue, elle est construite, mais les cadavres restent sur place. On ne sait pas encore trop pourquoi ni comment. Parce qu'il faut un médecin, tout simplement. J'imagine. Concierge, gardien armé. Alors pourquoi j'ai pas le droit? Là j'ai le droit. Là j'ai pas le droit. Comment ça se fait? Comment ça c'est censé se passer au niveau de la morgue? Je peux avoir de l'aide? Alors c'est un wiki. Forcément, du coup ça va m'ouvrir une page internet. Voilà, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez rien. Ok. Vite fait, vite fait, vite fait, vite fait. Morgue. Morgue. Morgue, ok. D'accord. Used by cadaver. D'accord, ok. Ok, bon, il n'y a pas. Nanana. D'accord, il y a bien de personnes en fait, apparemment. Ok. Vendu. Bon bah, tant pis, hein. On va bien voir comment ça marche, hein. De toute façon, elle va peut-être se mettre à marcher toute seule aussi une fois que les ouvriers n'auront plus rien à faire, hein. C'est possible aussi, hein. Je sais pas, on verra. Peut-être prendre un peu plus de médecins, cela dit. Voilà. Donc ça, c'est bon. On a un bâtiment qui a dû se créer là-haut aussi. Voilà, il y a un premier cadavre qui est arrivé. Hop, ok. Porte ouverte, pour l'instant c'est que la morgue, on peut les laisser rentrer. Y a pas de souci. Là, nécessite une entrée, d'accord, ils arrivent plus à passer. On a besoin d'une grande, non? Si? Apparemment si. Hop, ok, c'est parti. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Engager des gardiens. Alors, mais les gardiens, ils sont placés, ils sont engagés normalement, je peux pas en engager plus. Déploiement. Alors, qu'est-ce qui va pas au niveau du déploiement des gardiens? Où est-ce qu'il y a du danger? Où est-ce qu'il y a du danger? Ici, apparemment. Bon, là, c'est en train de détruire ce bâtiment, donc ça devrait être bon. Et à la salle d'attente. Voilà. On va faire ça comme ça, on verra bien. 70%, c'est remonté un poil. On verra bien une fois que tout le monde sera en place. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? D'accord, on est en train de construire là-bas, donc ça se fait tout doucement, vous voyez, hein. Voyez-vous-même. On a encore trop de personnes. Il va être temps qu'on exécute des gens. Le niveau de danger est haut et il augmente. D'accord. On fait ce qu'on peut, de toute façon. On fait ce qu'on peut. C'est vrai qu'il augmente. Il augmente le sac là. Oui, je sais bien qu'on en a trop. Je sais bien qu'on en a trop, ça va venir, hein, il me faut le temps, hein, maintenant je vais les refoutre en cellule, hein, y a pas de souci, hein, mais. Alors, est-ce qu'elle est construite l'armurerie? Elle est en cours de construction, c'est parfait. Pause! Hop, il va être temps qu'on fasse peur à des gens. Qu'on soit une frayeur pour certaines personnes. Je t'ouvre la porte, Simone, t'inquiète. Vas-y, continue de bosser, c'est très très bien. Je te remercie, tu fais bien ton boulot. On avait dit, il fallait que ce soit une armurerie. Hop. Crac. Pour que ce soit une armurerie, il faut râtelier d'armes, casier de gardien, table.
table, c'est bon. Râtelier d'armes. Ah, il n'y a pas de râtelier pour l'instant. Armes. Ah, il y a un râtelier. Hop, râtelier d'armes. Casier de gardien. Voilà. Et je devrais avoir tout ce qu'il faut. Ok, allons-y. Ensuite, l'administration. On doit aller débloquer les gilets pare-balles. Enfin, les gilets tactiques. Et les tasers. C'est parti. Ensuite, ici. Verrou ouvert, on va le laisser fermer. Crac. Les filles. Oh putain, mais ils sont juste devant la porte. Porte ouverte. Hop, vas-y. D'accord, eux, c'est déjà des mecs qui étaient censés être armés de base. C'est pas grave. On va laisser la porte ouverte, c'est pas grave. On va laisser bosser les gens. Oh là là, c'est remonté en flèche. J'ai pas de psychologue. Il va me falloir un psychologue, hein. Tiens, toi, tu vas être un psychologue là-dedans, toi. Hop, psychologue. Ah, faut qu'il soit dans son truc, c'est ça. Hop, c'est parti. Psy. Ah, merde. Crac. Foresterie, chenille, exportation, chapelle, salle de condition, morgue, salle commune, buanderie, parloir. Tiche. D'accord, c'est parce qu'en fait, il me montre chacune des pièces. Ok, je viens de comprendre. Isolement, cellule d'attente. Mais il n'y a pas de psy. Il y a un problème dans l'administration. Finance, nanana, nanana. Où est-ce que je suis censé trouver le psy? Couloir de la mort. Défense juridique. Préparation juridique. Petite cellule. Couloir de la mort. Sanction fixe juridique. D'accord, ok, mais où est-ce qu'il est? Paraît fiscal. Ok, what the fuck. Psychologie, voilà. Approuvé. Un bureau, donc ça s'appellerait peut-être bureau la pièce. Hop, pour qu'il y ait un bureau, faut que ce soit un bureau, chaise, classeur, d'accord. Bureau. Oh la vache. Classeur. Bureau. Et chaise. Ok, on est bon. Et maintenant il va me falloir aussi du coup le putain de... Hop, j'ai pas débloqué. Psychologue. Allez, 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 allez. Allez, on bosse les filles. Oh les filles, oh les filles. Je vous trouve marteau. Oh les filles, oh les filles. Oh je vous aime trop. Alors. Qu'on m'apporte des choses. En fait, je veux pas dire, mais la prison elle est grande ouverte depuis une demi-heure. Enfin bon, c'est pas grave. Tout va bien. Pourriez pas vous dépêcher un peu plus vite? Parce que là, si je vais en vitesse 1, ils vont vraiment pas vite, les mecs. Alors, ah oui, parce qu'ils sont tous pris par la déconstruction aussi du bâtiment. Forcément, bah oui. On reviendra dessus tout à l'heure. Ok. Alors. Déployer des gardes armés autour de la prison. Déploiement. Patrouilles armées. Thank you.
Hop. Voilà. On va mettre un gardien dessus. Non, ils vont s'y mettre tout seuls, c'est ça? Je sais plus comment ça marche. Voilà, c'est ça. Et normalement, lui, il y va. Ok, et donc ça en fait une. Et maintenant, j'ai plus qu'à en faire une deuxième. Hop. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ah, mais je suis un peu trop dézoomé, du coup, c'est pas très. Je suis pas très précis. Je suis désolé. Hop. Voilà. Hop, ça c'est fait. Construire l'aile d'isolement. D'accord. Le psy, il a peut-être été équipé maintenant. Est-ce que c'est un bureau viable? Il manque le bureau. Il manque le bureau encore. Alors. Oui, je sais bien que vous n'êtes pas content, hein. Vous avez toujours su me le rappeler. Ok. Le bureau, s'il vous plaît. Le bureau, merci. Merci pour le bureau. On peut donc mettre un psy dans son bureau. Voilà. Et maintenant, j'aimerais que tu me donnes accès au rapport de besoin. Nourriture, apparemment, il y a un gros problème. Pourtant, j'ai fait réparer tout. Alors, qu'est-ce qui va pas? Régime. Ah, mais il bouffe pas des masses en fait. Voilà. Voilà. Temps de douche. Temps libre, temps de travail. Voilà. Et puis voilà, on n'est pas trop trop mal. Ok. Au niveau des besoins, il y avait ça, l'exercice. Alors ça va, je vous ai mis dans la. Il n'y a peut-être pas assez de cours, c'est ça? C'est une cour à votre prison, installer l'équipement, d'accord. Peut-être un peu plus de cours alors. 3 heures de cours. Crac. Voilà. On va voir si ça règle des problèmes. Effectivement, il y en a qui sont pas contents. Niveau de la détente, bah oui, mais je peux pas tout faire, hein, les filles. Hop. Alors, c'en est où de la déconstruction? Parce qu'après la déconstruction, il y a les cadavres aussi. Cellule d'attente. D'accord. Désactive ça. On désactive ça. On désactive ça. Désactive ça. Hop, on y va. Crac. Bon, alors du coup, ici, ça a été déconstruit entièrement. Je peux enfin reconstruire. Ok. Hop. D'accord, donc il y a plein de petites cellules à refaire. Après, derrière, ça va être très très cool. Ça va être très très cool. Bon, grande porte de prison. Hop. Voilà. Ah bah, ça fait automatiquement le truc. Ok, parfait. Hop. Et donc nécessite une entrée, je vais donc mettre une petite porte de prison.
Ici. On a une double porte alors du coup, parce qu'ils veulent pas. Apparemment la simple porte ça veut pas. Ok, hop, c'est bon. Bon alors apparemment au niveau des besoins ça descend dur là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, niveau nourriture, vous avez un peu plus de temps. Niveau détente, je vais pas pouvoir faire énormément de choses par contre les filles là. Tout le monde dort, ok, c'est cool. Alors, enfin, en même temps, c'est pas plus mal que pendant que je. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pendant qu'ils dorment, il y a moins de risques, c'est normal quoi. Enfin, ça me semble logique. Ok! Alors, d'un côté. On va attendre que ce soit fini. Tiens, je reçois les textos. Excusez-moi. Ah bah du coup ça vibre de partout du coup. Hop. Fondation en cours de construction, d'accord. Donc je vous laisse faire les filles. Allez-y, prenez votre temps. Soyons sympas. Hop. Ok, parfait. Alors, ici. Crac. Mur en béton. On va essayer de garder le même schéma que la dernière fois. D'ailleurs, dans les constructions, déjà de base, il n'y a pas genre douche ou... Salle de rangement, cuisine, cantine, bureau, cellule partagée. Non, il n'y a rien. Ok. Je déteste les douches. J'aime pas les faire. Enfin, j'adore prendre une douche, mais pas les faire dans ce jeu en fait, c'est ça qui est chiant. Jamais trop compris en fait comment qu'elle marchait, je finissais toujours avec un truc qui était dégueulasse de partout. Hop, voilà. Hop. Crac. Au niveau des objets, j'ai une grande porte ici. Ici. Ok. Au niveau des services, je dirais pas non à un poêle d'électricité. Vu que ça va être intéressant de le faire par là aussi, je vais le faire par là aussi. Hop, voilà. Là, j'en ramène aussi. Enfin, pareil avec l'eau, hein, classique. L'eau qui reviendra d'ailleurs plus tard. Au niveau des constructions, donc, j'aimerais bien voir ce que à quoi ça correspond leur cellule basique. D'accord, cellule solitaire, ça correspond à quoi? Même pas de lit. Ok, bon. Cellule basique. On va partir sur des basiques, hein. Ah, tu me refais un mur? Bah non, ça m'intéresse pas. Voilà. Hop. Ok, bah ça se passe suffisamment, finalement pas si mal que ça. Ok. Ce qui m'étonnerait presque d'ailleurs. Hop. Va falloir que ça bouge en même temps, je pense. Ok.
Qu'est-ce que tu me chies? Qu'est-ce que tu me chies? Pourquoi le menu reste là affiché? C'est un bug d'affichage. Sauvegarder la campagne. Voilà. Charger la campagne. Crac. Et le bug d'affichage est resté affiché. Ok, c'est cool. Merci le jeu. On n'a plus qu'à attendre qu'il ait construite. Ah merde. Fait chier. Plus ça changera rien, donc... Donc fuck it. Hop. Hop, c'est parti. Crac. On va donc avoir un nombre sympathique de cellules. Va donc augmenter assez rapidement. Hop. Ah, pardon les filles, excusez-moi, c'est pas comme s'il y avait quelqu'un pour vous ouvrir la porte. Alors, si je pouvais zoomer suffisamment et trouver la porte dans le tas, je voudrais bien, mais... Je ne peux pas, désolé. Bonne chance. Vous allez devoir attendre qu'un mec vienne vous chercher. En voilà un, justement. Et ben non. Il vous a niqué. Il vous a niqué. Alors, je peux pas trouver la porte dans ce tas. Objet. Non, je peux pas avoir de filtre. Bon bah non. Bon bah... Ah, ça y est. Il arrive. Oui. Attendez, en attendant, je vais vous verrouiller la porte ouverte. Voilà. Vous puissiez bosser comme il faut. Crac. Alors, j'ai plus de son dans la jambe droite, c'est bien autre chose. Instaurer de nouveaux protocoles de sécurité. D'accord, ok, apparemment je l'ai fait. Allez comprendre. Alors, il va falloir que je fasse venir de l'eau partout aussi, ça va être rigolo. Hop. Trois. Quatre. Cinq. Six, normalement. Sept. Huit. Neuf. Dix. Ok. Ensuite, rap. Voilà, allez, bossez les filles. Qu'est-ce qui se passe au niveau des besoins encore? L'hygiène, mais... Pourquoi l'hygiène? Les douches, elles sont là. Ah, et peut-être pas assez de... D'accord, personnel, oui, effectivement. Allez, il y a du concierge maintenant, ça va le faire. Hop là. Bon, c'est pas grave. Hop. Vu qu'on est là en mode campagne, chers amis, je m'occupe de... Des besoins au premier degré, hein, vous voyez, je fais pas ça de manière... Enfin, je fais ça de manière random, pas de manière réfléchie. Justement, c'est là qu'est tout le... Tout le sujet. Du coup, ça va être rapidement beaucoup plus propre. Au niveau de l'hygiène, ça va être très très cool. La buanderie. Il n'y en avait pas? Tant mieux, on va en faire une. Alors, buanderie. En main de mémoire, la buanderie c'était quelque chose de très très gros, donc... Ok. Ok. Hop, on va bien voir si elle est fonctionnelle ou pas. Tant pis, on verra bien. Enfin, en tout cas, il va falloir qu'il vienne y bosser. Ah, j'en ai mis 3, attendez, peut-être que je peux en mettre qu'une. Hop, voilà, comme ça, ils vont tous venir là. Crac, on verra bien. Voilà. Je vous ouvre la porte, vous inquiétez pas.
Essayons de calmer ces gens, hein, qui ont l'air de rager un petit peu, malgré tout. Excusez-moi. Alors du coup, il va me falloir une arrivée d'eau centrale aussi, là. Hop. Hop. Crac. Allez-y, bossez. Hop, j'aurai besoin que vous bossiez rapidement. Ah oui, alors ce truc-là, il va falloir que ça soit corrigé aussi. J'ai une pièce qui est moins bonne. J'attends un petit peu avant d'en remettre plus. Hop. Hop. Crac. Allez-y. Bon, lui il est tout seul à bosser en bas, donc c'est triste. Nécessite une entrée, effectivement. J'ai oublié de mettre une entrée. Bon. Hop. Bon, j'ai dit entrée. Excusez-moi. Alors, alors, alors. Ok. Bon, il y a du boulot, hein, c'est en cours. C'est en cours, c'est en cours. On va finir cette campagne, chers amis, ne vous inquiétez pas. Tombé pas malade, hein, c'est vraiment la merde. Ok, bon. Ça bosse dur. J'aimerais bien. Là, quand je vois le niveau de merde dans laquelle je suis, c'est catastrophique. C'est en cours, vous inquiétez pas. En train de raccorder l'eau directement dans les cellules. Ah merde, faut vraiment que je mette toutes les portes en ouverte. Ah, je l'ai vu. C'est pas un instant, je l'ai vu. Merde! Merde! Ah, attendez. Là, c'est bon, je l'ai. Verrou ouvert. C'est bon. Allez bosser! Allez bosser! Verrou ouvert. Crac, c'est bon. Ils peuvent tous bosser, c'est la fête. Tous heureux de pouvoir travailler. Oh mon dieu. Allez. Travaillez. Travaillez, je veux de l'eau dans ces cellules. Électricité là-dessous ou pas? Ah bah non, il n'y avait pas. Ah bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je peux toujours l'attendre l'électricité, moi. Monsieur. Allez. Ça y est, là c'est fait. Wouhou, c'est la fête. Hop. Et hop. On a les cellules de prête là. Waha. Voilà, ça devrait se calmer déjà ici. Ce qui va pas faire de mal. Maintenant, au niveau de l'isolement, j'ai plus qu'à le refaire aussi ici de ce côté-là. Ok. Construction. Cellule basique. Le problème c'est que là c'est de l'isolement. Du coup je vais être vilain. Bon, c'est pas trop mal pour des cellules d'isolement, soyons honnêtes. Hein. Alors là, je peux pas en mettre. Ça va vite me faire chier, ça. Ah oui, je peux pas les supprimer, c'est chiant. Ah, putain. Ah! J'ai fait du caca! Crac.
Je sais même pas si je suis bon au niveau des espaces. Bon, c'est pas grave, on arrête là. Hop. Écoutez, chers amis, du coup, je pense que nous, on va se laisser là pour cet épisode. En tout cas, merci de l'avoir regardé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour tes aventures et on se verra dans le prochain épisode ce que ça aura fait ici. Voilà. Salut! D'ailleurs, en fait, au passage, pièce, isolement. Bam! Isolement. Est-ce que ça va passer, cela dit? Crac. C'est mieux que je le fasse comme ça. Hop! Et punir les émeutiers. Ok, hop, c'est parti. Là, ça fait de l'isolement. Crac, ok. Allez, mieux que je le fasse comme ça. Bon, bah, ça fait des trucs très très moches au milieu, mais c'est pas grave. Ok, quelle est la mère qui appelle? Bah, attendez, on va faire la. Excellent travail, je pense que la cité d'établissement est bien meilleure à l'heure présent. Ces prisonniers ont besoin de discipline, d'ordre. Je suggérerais de faire noter tout le bordel qu'ils ont mis. Instaurons un programme de travail punitif pour nos prisonniers. Affectez-les au nettoyage de la prison et à la buanderie. Vous pouvez affecter les prisonniers au travail à partir de leur barre d'outils dans logistique. Passez le curseur sur l'objectif en évidence pour afficher comment faire. Et n'oubliez pas les membres qui sont meilleurs des preuves, ils sont épuisés. Considérez une salle du personnel qui leur permet de récupérer. D'accord, il faut en plus rester dans les limites du budget. Il faudrait bien que notre solde et notre flux de trésorerie restent dans le vert. Il est beaucoup moins cher de faire travailler les prisonniers que de faire appel à des contractuels. Essayez donc d'avoir recours autant que possible au travail carcéral pour le nettoyage, la buanderie ou autre. Il y a beaucoup à faire, nous apprécions vraiment votre aide quand vous penserez avoir fini. D'accord, ok. Donc du coup, il faut que je... Alors ça va être où? Régiment... Règlement, pardon. Pff, régiment. Programme. Ça va être où? Ça va être où? Yeah. Ça, le nettoyage. Bah écoute, en voilà une. Pièce nettoyage. Ah ouais, exact. Oh, je verrai ça la prochaine fois. Je verrai ça la prochaine fois. Salut les gens! Hop, je sauvegarde. Et c'est fini!